Yon l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media Now là, depuis Mombad Police. C'est un plaisir pour nous entrer la caille ou encore avec yon l'autre vidéo. Ministre Travaux Publics, Transport et Communication, ingénieur Nadej Oasis, et directeur général du NEPA, ingénieur Guito Edouard. Visitez jeudi 9 pour arriver 12 juillet 2021, plusieurs infrastructures hydrauliques cap construites grâce à l'appui Banque Mondiale à Coopération Espagnole. Nous allons vite suivre plusieurs autres communes qui ont travail infrastructure ou bien travail réhabilitation cap fait là-dedans. Ces informations sont à nous porter pour si c'est première fois visiter nos informations partagées ou intéressées. Pas oublier abonner avec Mombad Media Now et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media Now là. Eh bien, nous pas perdre du temps. N'a pas commencé. Coulier ya. Les noms viennent. L'eau pas qu'à couler dans le robinet chaque citoyen en de grande ville. Et tant que EDH, tant que Mbral dit là, hier, c'est avec un cœur serré. Ni président ni moi-même n'ont gardé pendant EDH, pendant mon grandance, pas qu'à jouer courant, gain 3 groupes électrogènes, chaque cabaye, puisque 1.3 MW, qui bat en tout 4 MW, qui campait depuis 5 ans, 6 ans, qui bat en travail, pendant mon yon a crié, yon besoin courant, et président pour mettre yon courant 24 sur 24. Ça seulement te cabaye mon Jérémy, courant 24 sur 24. C'est même bagaille dans le dîner pas. Non souhaité dîner pas by chaque monde grandeur d'eau. Avant après le président va prendre l'avion, nous dit président va prendre l'avion, non, on va aller au caï, on va aller rencontrer dîner pas. Il dit dîner pas, fais pas dans compte avec parce que mon Jérémy bal trop doléances concernant l'eau. L'eau pas coulé dans robinet mon yo. Tout gros réunion ça yo, tout gros déplacement ça yo, tout gros voyage dans pays étranger, tout gros parler anglais, français, espagnol. Finalité hein, c'est fait de l'eau couler dans réservoir chaque famille. Moi dis non, un non attaquer bagayo côté non doit attaquer yo. Fait de l'eau couler dans robinet mon yo. Félicité non en pile, les moi gros réservoir ça yo. Moi souhaiter qui n'ont pas quitté de l'eau, n'ont même pas un vanier distribution de l'eau. Monsieur, des bagages, ça a fini. Logique, son vanier suivant, Libye à mon nom, ou bien Fache à mon nom, suivant, gain intérêt ou bien pas gain intérêt. Est-ce qu'il va dire, bah, mon nom de l'eau aujourd'hui, on ne pas bailli. Distribution de l'eau, plus important que toute réunion. Donc, directeur, autant dire, fini cette logique de ces vanier qui bail de l'eau, suivant, bien dormi ou bien pas bien dormi. Bah, un ingénieur avec radio, que vous attendez telle zone gain de l'eau. Et moi-même, je demande, je vais mettre une cellule là, qui a visité la famille, famille qui n'a pas de l'eau, on téléphone pour aller dans le ministère là, pour que nous suivions les services qui ont bâillé dans le dîner. Qui ça m'a dit? Dîner pas directeur. Placé, je vais placer le tuyau. Nous placer soit à 80 cm ou 1.20 m. Parce que, dès que vous placez là 30 cm, aussitôt que je suis intervenu dans la route, je suis crasé. Vous comprenez? Parce que si je suis décapé à 40 cm, moi je suis à 30. C'est normal, je l'ai perdu. Ok, placé pour moi à 80 ou bien 1.2 m. Donc c'est dîner pas, mais tu n'es pas de grand coup dans le projet. Il y a un petit problème, c'est parce que tu as été placé trop haut. Donc c'est ça, je demande. Fais ça pour moi et puis pour nous pas de problème. Un réseau qui réhabilite complètement. Et c'est une réseau qui a tout dossier, pas même, en fait, plan de récollement qui existe, plan ASBIL. Ça veut dire que, les que nous planifions l'intervention, nous mieux coordonner, nous garantissons que, eh bien, nous mettons plan à la disposition, tant physique qu'électronique, parce que son réseau qui pratiquement fini entre 2011 et 2013. Ça veut dire que son réseau qui existait. À telle enseigne, réservoir la savane, il passait de 600 à 700 mètres cubes que nous réhabilitons avec financement Banque Interaméricaine de Développement qui ajoutait à San Relé réservoir hydraulique là qui est dans la localité Venet. Et nous dit pour la population, sous instruction président, nous-mêmes à travers avec financement USAID, passer de pompage à utilisation de une station photovoltaïque pour nous capable diminuer le coût d'exploitation réseau. Et même comme délégué départemental qui représente le président de la République là,
nous souhaitons que le projet ça retourne à venir dans le département. Il faut déléguer à au courant du projet à cabine fait là. Parce que même avec Dinepa, nous travaillons dans ce sens-là, parce que le directeur Eliska a toujours fait un briefing yo, et il fait présentation pour moi. Parfois, déjà, il a sorti pour le président, il fait présentation pour le projet. C'est que le projet, ça m'a déjà au courant de yo, m'a suivi yo. Mais au niveau des DH, ministre, je pense que nous avons quatrième et génératrice pour fonctionner là. Et qui pas qu'on fonctionne, nous avons souhaité peut-être que vous-même, vous ben nous bourrez dans ça. Parce génératrice que pour dîner pas? Non, pour EDH. EDH, on va aller visiter centrale. Visiter centrale. Parce que hier, c'est avec Révolte pour nous aller nous avons trois groupes électrogènes en deux grandes qui cabaillent 3 by 4 MW, qui cabaillent grandes en 24 sur 24, qui là, qui pas jamais été en fonction. Oui. Personne ne va dire rien. Journaliste pas dit rien, société civile pas dit rien, notable dans vie pas dit rien, délégué pas dit rien. Alors c'est pas dans le sud, c'est dans la grande danse. Bon, c'est là lui-même. Moi-même, je vais visiter centrale là avant d'aller pour malheureux problème ni gain, pour me parler à responsable, parce que quand 24 sur 24 là, n'a pas li. N'oblige pas. Il faut nous gain, volonté tout le monde, et il faut moun yo tout, pas dit. L'État, dirigeant et au président, ça pour le faire, l'elle fait nomination. Puis, c'est lui qui connaît ça. Dans le courant 24 sur 24, là, qui m'a dit bon pour lui, l'elle a allé ou a retiré mon nian. Mais c'est lui qui connaît. Il n'y a aucun prétexte, dit mon nian, pour venir faire privatisation. L'elle a fait privatisation, c'était un mode de pensée. C'est pas ni directeur, pardon, c'est pas ni l'autre monde. Même président, tout va te empêcher. C'est un mode de pensée international. Mode de pensée international, là, qui devient. Neutraliser le secteur de l'État, pendant qu'il a neutralisé le appauvril, il a fini, monter le secteur privé, c'est-à-dire tout contrat arrivé dans le secteur privé, bagaille l'État a privatisé, et bien constat, le secteur privé est nul, l'État est pauvre, et tout le monde est dans l'État, même si vous avez un doctorat, vous sortez, vous n'avez pas même un monde qui a gagné une licence même. Parce que vous n'avez pas d'espace pour travailler, vous n'avez pas de projet pour travailler, vous n'avez pas de chantier pour travailler, vous n'avez pas rien pour faire. Donc, moi, dépenser ça caduque. Mode de pensée qui dit privatisation, c'est lui-même pour faire. Hein? Yo constaté, li pa ka marcher dans ce pays ça. C'est faire l'État travail, faire secteur privé travail, faire un challenge l'autre pour qui est-ce qui est plus bon. Et je dis jusqu'à présent, nous dans l'État, nous montrer nos plus bon. Regarde ce qui ça nous fait là, grandance. Dans 4-5 mois, on a eu port, flambant neuf, en piste, qui 1320 mètres, pas 80 mètres, mais piste même, 1200 mètres, pas 25 mètres. Fait. 6 km route réalisée. Regardez le secteur privé avant d'aller dans la route nationale numéro 1. 13 km route. 10 ans, il va finir. Regardez Carrefour Joffre et Ansapoule qui travaillent dans le grand affaire. C'est là pour important le secteur privé. Mais logique qui fait quoi? Secteur privé, c'est pour là pour important l'État. Mais logique qui fait quoi? Secteur privé, c'est lui-même qui est important. N'a comprenez ni. Les noms appelés dans le fait, n'a comprenez ni. C'est dans le cadre de ça, je dis. Non pas dit personne moun, pour dire non qui moun qui nous mette directeur général, directeur ou ministre. C'est président qui peuple a te ba un mandat, qui pour qu'on est, qui moun qui mette pour les délits, le la aller, sinon pas avle moun sa yo, na retire yo. Si moun nan, wa suive moun nan, ak la pose yo, si le pas entre dans le cadre légal là, wa crampe yo, wa mettre au debout. Mais c'est pas empêcher le développement en fait, de mater pour dire président pas rien. Tout au moins au niveau de. Et commune Port-Salut, parmi 5 communes que Banque mondiale et mettait d'accord avec Dinepa pour prioriser en fait en termes de réalisation d'infrastructures de l'eau potable, Jean gouvernement central là orienté Dinepa, Jean son excellence Jovenel Moïse toujours besoin qu'on ait au niveau de Dinepa qui ça cap cuite, qui ça cap réaliser. Et nous contents et nous honorés de présence et ministre Joséus Nader avec toute staff technique qui a besoin d'une idée de l'effort que Dinepa a fait, surtout dans le département sud. Là. Effectivement, nous trouvons dans la localité Benoît, côté que deux parmi réservoirs de 150 mètres cubes que Dinepa a réalisé à travers le film que ils ont engagé. À, sous la supervision de FIM qui là qui est représenté par ingénieur Brice est bien capable de témoigner. Donc, 5 SAEB, c'est des SAEB qui viennent de financement Banque mondiale
Et pour ça, lui, côté nous, il y a là, c'est une là-dedans. Travaux ça, c'est une entreprise qui est le AER, qui a réalisé, et un film que Dine passe en contrat avec elle pour superviser les travaux ça. Et film ça, il est représenté là, adroitement par l'ingénieur qui va prendre la parole tout à l'heure. Travaux, c'est des travaux qui sont très consistants. Nous avons gardé un ouvrage là, c'est un réservoir qui est dans la localité de Les Benoît, c'est un réservoir de 150 mètres cubes. En fait, c'est deux consacres pour construire dans quatre projets ça là. Donc, nous avons gardé là, c'est dans la localité Benoît. Et le réservoir ça, nous va alimenter à partir de trois sources qui, après habilité et construit, en fait, c'est trois zones qui vont alimenter le réseau ça. Et bien, c'est un sous-sur élément de Anne. Gain Benoît, parce que là c'est dans la localité Benoît, il y a sous partout. Et puis, nous avons l'autre sous sur les Grand Caï. Ensuite, il y a près de 26 km de tout diamètre qui a posé en termes de réseau d'adduction et de réseau de distribution. Et puis, il y a à peu près entre 600 et 700 branchements privés qui ont fait qui pour alimenter Mounio en eau potable. Et dans des zones côté Mounio pas de capacité justement pour prendre des branchements privés, surtout dans des zones défavorisées, eh bien, dans le projet, il prévoit construire des kiosques de vente d'eau. Donc, au total 8 à peu près que va le construire. Et Mounio a bien possibilité pour venir alimenter à partir de kiosques. Et si ça va le payer, son bras va être vraiment dérisoire. Donc, ça, c'est des. Ça rentre dans la stratégie de NEPA pour permettre que tout le monde. Gain accès à de l'eau potable, qu'on ait moyen, qu'on n'ait pas moyen. Et marcher tout le monde. Ouais. Non, bye. On va faire des 120 heures pour tout le monde qui est prise. Arrêtez de déconnecter. Arrêtez de déconnecter. Et pour libérer, il y a payé un an courant. Parce que c'est un an, tout le monde n'a pas de jambes, il n'a pas de boulet comme ça. Je vous dis ici, en tout le monde, on mégawatt qui va mettre. Il va être opérationnel. Pas fouillé. Non, bon, je dis non, son problème, mais le problème, là, combien de temps pour dire problème non. Ministre, je ne pas le problème. Non. Directeur général, là, je ne peux pas connaître. Et des autres, je ne peux pas connaître. Non, logique, dans le département. Et là, on est avec le délégué départemental, là, qui est très dynamique, qui voyage pour nous. Et directrice qui représente le ministre de Travaux publics, là, on dit voyage pour nous. Et nous demandons. Même bagaille, nous demandons de Port-au-Prince pour tout le monde qui a été courant. Le président fait diligence pour le courant de Ponea, de Dio. Bientôt après, c'est des changements qui vont être dans le courant. Mais depuis qu'on a dit, il y a 120 heures pour le monde qui prend prison vient faire des demandes de courant ici. Et demandez autour, pas quitter mon passé par quatre chemins pour nous faire un compte. Comptez avec un luxe pour lui. Par compte, et faire mon pays pour moi. Et mon nom est sûr qu'on a 24 présidents de la privée. Certainement, grand pile vagabondage là-dedans. Je déjà dit, monsieur Sayo, bravo, c'est nous-mêmes qui sommes dans mon terre. Pas quitter aucun méchant, faire notre phrase et mon terre. C'est vie, non. Certainement, peut-être que le pays n'a pas compris, nous n'a pas satisfait. Parler ça directement, non. Je vais changer vie, non. Augmenter connaissance, non? Mais que bena avec l'État. C'est même un sacré devoir de répondre positivement à la demande du directeur général de la DINEPA. Ingénieur Guito Edouard, l'homme dynamique, bravo Edouard.
d'assurer la présidence de cette cérémonie du lancement des projets pilotes de protection et de restauration des aires de captage et des forages dans le sud, le sud-est, les Nîmes et la Grand-Anse. Ces quatre départements dont le regroupement est connu sous le label Grand Sud à l'opposé du Grand Nord. Honneur et devoir, oui, mais il est aussi question de patriotisme, de civisme et d'humanisme. Ma présence à cette cérémonie part donc de bon naturel. En effet, l'eau est essentielle à la vie. Disons mieux, l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est nous. Par conséquent, ne nous imaginons même pas la vie sans eau sur la planète Terre. A fortiori, en Haïti. Pourtant, la présence de l'eau en tant que ressource vitale est menacée. Oui, menacée. C'est très important. Si nous voulons prendre un bon exemple, dans Kestrov, supposé dans toute la grande Kestrov, une commune dans le département l'Ouest, tout près de Port-au-Prince, sous traitement de l'hôpital, sous 36 sous l'eau, il y a 34 là dans l'eau qui sèche. Pas oublier, même des régions métropolitaines, non? Je vais parler de Port-au-Prince, Carrefour, Pétionville, Delma, Cité-Soleil, Tabac et Guadeloupe. Pour que ça soit comme ça, plusieurs millions de monde là-dedans. Ça veut dire que des gens ont besoin plus d'eau. Mais je dis non, bagaille. Non, même qui est jeune là, non pas comme ça. Non, tu es tout le temps à ça. Bagage mon discours sans bâti dans la vérité. Après le départ de Jean-Claude, on a constaté en pile communauté internationale, journaliste international, sous littoral, dans le monde. Côté de l'armée, après empêcher mon yo, construit dans le littoral. Et puis journaliste international, bien sûr, a crié à but. Non, même dans mon hôpital là, nous songeons, nous même qui jeunes, nous pas comme ça, ils ont empêché toute construction dans mon hôpital. C'est vrai, ils ont dit ça. Et dans le pays, depuis littoral bidonvillisé, mon bidonvillisé, problème total capital. Développement quasi possible. Ça, faut que nous connaissons. Ou même erreur, ça n'a pas répété dans 30, 40, 50 ans, 60 ans. Et ça est arrivé. Et parce que les amis, nous, vos amis, nous, pas de blé aider dans ce sens. Alors la menace, telle une épée de Damoclès, est encore plus présente en Haïti, où elle est due à notre mode de vie et notre irresponsabilité. Parce que nous manquons courage en pile, sinon nous devons gourmer, ça ne va pas arriver. Elle est due à une multitude de dégâts causés à l'environnement, aux décisions que nous n'avons pas su prendre. Et il est arrivé que les déboisements, les constructions anarchiques et les interventions nuisibles sur les bassins versants réduisent considérablement la quantité et la qualité d'eau disponible dans les nappes souterraines. L'eau est donc devenue une denrée rarissime. Il y a lieu d'être inquiet. Prenons inquiet. Procéder aujourd'hui à l'intronisation de M. Michel Présumé, ingénieur, comme nouveau directeur général de l'électricité d'Haïti, nommé par arrêté présidentiel en lieu et place de l'ingénieur Nicolas Hervé Pierre. Je voudrais débuter mon propos de circonstances en saluant le passage de l'ingénieur Pierre-Louis à la tête de la compagnie d'État d'énergie électrique. Il a su certes faire œuvre qui vaille dans la gestion d'une institution à fonctionnement aussi difficile que l'EDH. Toutefois, les grandes décisions sont parfois commandées par les conjonctures.
au nom du chef de l'État, en celui du gouvernement et en mien propre, je dis merci à l'ingénieur Pierre-Louis pour avoir su diriger l'EDH dans des conditions difficiles. À l'instar de tous vos cadres compétents et patriotes, il est désormais en réserve de la République qui aura certainement besoin de ses services en temps et lieu. Ingénieur Michel Présumé, compte tenu de la délicatesse de ce poste, si les choix du chef de l'État se portent sur vous, il faut croire que votre compétence, votre multiple expérience, votre sens du sérieux et la rigueur qui caractérise vos actions dans vos fonctions antérieures ont milité en votre faveur. Il faut en effet un cocktail de toutes ces qualités pour mener à bien la mission qui vous est confiée. L'EDH souffre de tous les maux en ce moment. Outre les rationnements drastiques de l'énergie, la clientèle, en grande majorité, ne paie pas le service. Autant dire que vous avez la mission, non seulement d'améliorer le service, mais aussi de travailler à sa rentabilisation. Il faut un autre fonctionnement des services publics qui renvoie vers un changement de comportement et de notre façon de penser afin d'aboutir à de nouvelles méthodes axées sur des résultats. Aider à se comparer l'État, mais ces services-là vendent. Ça veut dire que la clientèle doit payer pour joindre le courant. Courant électrique en dans la caille et dans le bureau non, pas doué gratis. Qui j'en aide à faire joindre l'argent pour acheter matériel, moteur, mazou, diesel, poteau, fil transformateur et latrier s'il pas rentre l'argent dans la caisse? En pile monde dit ces boycottages à mauvaise foi qui tape gros raison blackout là. On travaille pour nous couper tout pika coin là dans intérêt pays à population. Aspect commercial là important dans gestion compagnie directrice. Oui, là c'est toute direction yo à tout service en dans EDH qui pour faire travail tout le monde ensemble, tout le monde sans distinction. Ou paye courant ou gain courant, ou pas paye courant ou pas gain courant, quel que soit le monde, même si palais national faut le payer courant, primature faut le payer courant, tout ministère faut le payer courant, gros autobré qui a fait un pile corps qui a boulé un pile courant faut bouler courant tout et bolos. Cité dédié, l'éternel, cité soleil, pour nous payer courant tout pour nous cacher. Venons-en à la distribution drastique de l'énergie. On s'en plaît partout. Vous avez la mission de travailler vite sur les centrales de Vareux, de Carrefour, de Peligre, également avec les compagnies prestataires des services en vue d'une amélioration en attendant une distribution normale. Yon mot spécial pour personnel là, employé yo, membre syndicat EDH yo, kap surveye nan bon fonctionnement EDH san, parce que EDH pa ni pour vendre, ni prêter, ni faire cadeau. Il ne fait aucun doute que EDH c'est peut-être l'une des, si ce n'est pas la seule, entreprise de l'État qui a une réputation qui vraiment nous fait peur. Parce que quand on dit que c'est la compagnie de la blackout, c'est la compagnie XYZ, je ne pense pas qu'on puisse trouver un cadre, un personnel qui soit fier de cela. Donc, mon travail à moi, et je dois le dire pour préciser pour tout le monde, et c'est ça le plus important, n'est-ce pas? C'est que je n'ai pas le mandat de privatiser l'EDH. Premier point. Deuxième point, je ne viens pas pour faire la chasse aux sorcières. Troisième point, qui est en corollaire du deuxième, c'est qu'on ne peut absolument rien faire dans l'indiscipline, dans le désordre. Si nous sommes une compagnie, nous devons travailler pour le bien de la compagnie,
Pourquoi? Parce que quand on travaille et que la compagnie prospère, c'est tout le monde qui prospère. C'est tous les cadres qui sont fiers et qui en bénéficient. Mais si nous travaillons pour nous-mêmes, la compagnie va perdre et tout le monde va perdre. Donc je crois que l'idée aujourd'hui, après toutes les conversations que nous avons eues, et je remercie le président de la République qui m'a bien expliqué sa vision, ce qu'il veut faire, et je lui ai dit aussi mes propres préoccupations, je lui ai dit aussi les obstacles, etc. Et nous avons convenu d'aborder le problème de manière à changer ensemble la culture de cette compagnie. Il n'y a aucune raison que nous ne puissions pas faire ce que les Dominicains font chez eux. Les Dominicains n'ont pas appelé et les Européens, les Américains pour venir vraiment. Je me souviens, je vous dis ça juste pour terminer, parce que je ne pense pas le fait de parler, ce sont les actions qui comptent, n'est-ce pas? Et en 1997, lorsque Haïti s'est lancé dans la grande réforme économique et pour transformer les entreprises publiques, un de mes collègues dominicains, vice-gouverneur de la Banque centrale, était en charge de ce programme aussi. Ils ont eu le courage de faire tout le travail. Aujourd'hui, ils ont presque 5000 mégawatts. Nous ne pouvons même pas parler de 200, 250 mégawatts. Ceci n'est pas possible. Nous devons être fiers de la compagnie à laquelle nous appartenons. Et nous passons tous. Ce serait ridicule de penser que nous allons être éternels à la tête d'un pays ou à la tête d'une entreprise. Nous allons faire de sorte que quand nous aurons laissé la compagnie, on dira: ah, écoutez, le directeur des provinces a été impeccable. Il a fait un travail extraordinaire. Avec les moyens qu'il n'avait pas, il a pu faire des miracles. Il est important que le rôle du syndicat, c'est deux choses fondamentales. Ce n'est pas trois, ce n'est pas quatre. Je l'ai toujours dit, et les camarades du syndicat de l'EDH me connaissent, n'est-ce pas? Le rôle du syndicat, dans un premier temps, c'est de s'assurer que tous ses membres contribuent au développement de la compagnie. C'est la première mission d'un syndicat. La deuxième mission d'un syndicat, c'est... Il n'y a rien à partager. Il n'y a rien. Donc, un syndicat, c'est un élément de régulation dans une entreprise. Tout le monde, les employés veillent à faire leur travail, parce qu'ils savent que le syndicat qui doit les protéger va s'assurer qu'ils travaillent pour que le syndicat soit en mesure de les faire. L'administration, la direction, le ministère, whatever, est en train de veiller aussi pour ne pas commettre d'erreurs de façon à ce que le syndicat lui-même ne vienne pas lui dire: écoutez, DG, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Donc, quand j'ai dit employé, monsieur le ministre, j'entends tout le monde. Parce que avant tout, le syndicat, c'est un regroupement d'employés qui est dirigé par un conseil, par quelqu'un, etc., qui s'appelle président du syndicat ou même membre du syndicat. Donc, quand j'ai dit employé, c'est pour éviter de faire en sorte une division à l'intérieur d'employés. Il y a les syndicats, il y a des employés. Non, le syndicat fait partie intégrante du corps des employés. Et c'est comme ça qu'il faut le traiter. Et moi, personnellement, j'aurai à m'asseoir, comme je l'ai toujours fait dans mes expériences, à m'asseoir avec tout le monde et avec la direction du syndicat. Il faut qu'on comprenne ensemble quel est le problème. Je ne pense pas que le syndicat puisse être satisfait de l'EDH dans laquelle elle travaille aujourd'hui. Je crois que le syndicat doit chercher, et je suis sûr que tous, ils veulent changer la compagnie. Pour qu'on puisse dire: ah oui, ce syndicat s'est tellement battu. Regarde la compagnie que nous avons. C'est une référence d'une entreprise de l'État. Et c'est ça qu'il faut faire. Donc, nous allons nous asseoir avec tous les salles de direction. D'ailleurs, nous avons une responsabilité de nous retrouver hebdomadairement et régulièrement pour discuter de stratégie et comment avancer, quels sont les problèmes, comment les adresser. Mais nous allons nous asseoir aussi avec le syndicat pour voir les problèmes et voir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Parce qu'il n'est pas possible qu'un employé travaille et qu'il ait deux quinzaines, trois quinzaines, quatre quinzaines, il n'a pas payé.
Ça, c'est un problème que c'est normal que le syndicat défend ça et se bat pour que ça ne se fasse pas. Et nous devons être ouverts et à l'écoute et de toutes les revendications des syndicats, mais dans la discipline. Je dis à nous arriver à signer un contrat qui peut vous permettre de réaliser le passage de Nivelé dans le Carrefour Maïgaté, Delma 33. Donc, il faut me dire que depuis que je viens ici, hein, 3 jours avant, dans la feuille de route, le président est là. Et je choisis 3 éléments. Le quadrilatère, qui est vraiment bientôt à bas dans le contrat. Et puis, le passage de Nivelé, qui va le permettre. Bouchon qui n'a pas égaté, elle m'a 30 droits, bouchon ça va le permettre d'éliminer. Et 4 mois, je travaille sous lui. Je vais me dire mon merci. Ingénieur Rodolphe, merci. Qui te travaille sous dossier. Un dossier d'appel d'offres, vous voyez dans le CNMB. Je dis un contrat à signer. Je vais retourner dans le CNMB encore. Et je souhaite le CNMB pas garder pour longtemps. Et il va le voir dans la Cour supérieure des comptes qui peut garder le tout pour nous faire le travail rapidement dans le Carrefour. Donc l'argent là, donc nous souhaitons que avant moi, juin ça a fini, le travail ça a commencé. Et pour blocus ça, tout le temps on a passé dans le Carrefour, ça a eu les Gérald Bataille là, pour blocus ça a fini finalement. Donc les supervisions, hein, il va l'assurer par directeur Raymond Higien, directeur des travaux publics, là, et directeur Rodolphe Grégoire, qui est dans le transport. Donc, je souhaite GMA, vous voir le travail rapide, vous voir le monde, combien de mois le travail ça capable de commencer, capable de durer, dès que vous recevez l'appel de démarrage. Appel d'offre là, c'est, enfin, offre là, c'est pour construction pour on passe à dénivelé. C'est-à-dire son route qui a passé sous l'autre route. Et... mais on voit supérieur. Maintenant, et... son ouvrage qui va le faire 34 mètres 40 en seul travé et capchita sur 2 appuis, sous fondation profonde. Maintenant, en temps, on a parlé de 180 jours. 180 jours d'exécution entre études et exécution. Bon, on a souhaité, dans le temps d'exécution, hein, une petite discipline que la police a fait pour nous, que nous allons demander. Et après, bon, son ouvrage qui a fait en deux parties, la bonne partie que a fourni tout par le ministère des Travaux publics, et une partie que GMA a bien pour directement exécuter, qui c'est Appuyo. Appuyo, c'est fondation profonde de la Pchita. Donc, c'est tout. Hein. Oui, c'est ok. Donc, ouais. Le temps, c'est 180 jours. Hein. Donc, du jour où je viens avant de démarrer, là, pour commencer hein, à jouer la finir, ça va être combien de jours? 180 jours. 180 jours. Jean-Noël ministre, ce dit, hein, son passage dénivelé qui pourrait réaliser dans Delma 33. Ingénieur Adrien fait que ce deal là, c'est sous fondation profonde. Ça n'est les fondations profondes là, c'est sur pieu, c'est pas sous superficiel. Durée, c'est 9 mois. Nous gagnons longueur ouvrage, c'est 34 mètres 40. Passage ça, qui ça la permet? Un monde qui s'attend Delma 33, au lieu de vivre dans l'intersection pour le bloquer embouteillage, il passer à niveau et ça va le faciliter la circulation. Tout problème qui est dans la circulation, il y a un problème économique dans la circulation, les embouteillés comme ça. Nous ne faisons pas de bureau, nous achetons. La consommation a augmenté, le monde a payé. Si il a boulé un gallon de gaz, il boule un gallon de gaz et demi. Ou 2 gallons de gaz. Un monde qui est malade. Et puis l'embouteillage, il va arriver à l'hôpital. Donc, je pense que le passage a aidé la zone métropolitaine. C'est un point névralgique que nous avons, qui toujours gagne embouteillage. Donc, je pense que là, le ministère a fait un gros coup, ça c'est un gros travail,
que la pied passage dérivé ça que la réalisé là. Nous gagne on t'a corrigé c'est près de 70 millions 78 millions à l'ouverture de l'offre. Offre corrigée que entreprise a présenté hein, c'est 78 millions de gouttes. Gagne un bail que madame préciser nous dit 9 mois. Mais 9 mois pas commencer de la signature du contrat, il faut que l'entreprise reçoive avance de démarrage. Depuis qu'elle reçoive avance de démarrage, PO nous dit nous commencer à contrôler délai 9 mois. Ça. Et le ministre a fait tout ce possible pour débloquer avance de démarrage pour l'entreprise à commencer aussi vite que possible. Donc, partie, ouvrage, ça a fait de partie, il y a une rampe d'accès, ensuite il y a un ouvrage à même. Rampe d'accès, nous quittons pour l'ingénieur Raymond Hygène, qui est le directeur des travaux publics. Parlez-nous de ça. Le projet a plusieurs phases. Première phase qu'a fait qu'on y a là, c'est installation pont dans le carrefour Gérald Bataille qui permet la machine qui sort d'Elma 33 passer en l'air sans y'a pas rencontrer la machine qui n'a pas rigaté. Mais pour lancer une phase avec étude intersection, parce que là, il y a un point, mais l'entreprise a gagné pour faire une étude pour intersection. Pour soumettre le ministère de travaux publics pour approbation après modification éventuelle. Mais pont, c'est un voyage, mais pour arriver dans le pont, il faut gagner des rampes d'accès. Donc, rampes d'accès, c'est des murs des deux côtés route qui passent dans l'air qui permettent pour rembler pour arriver sur le pont. Donc, travail ça, il n'est pas entré dans le projet ça, son travail qui va le faire par service d'entretien ministère de travaux publics. Et pour capable rendre point fonctionnel. Et maintenant, aménagement, intersection, donc l'autre route, et tourner à droite, tout bas ça, c'est dans la deuxième phase du projet à faire ensemble avec comme d'accès. Ce lundi 13 juillet 2020, où la commune de Port-au-Prince va connaître une nouvelle page dans son histoire, je me sens flatté et rempli d'émotion. Étant le représentant direct du président de la République, suite à l'apparition de l'arrêté présidentiel en date du 3 juillet 2020, vous établissant membre du conseil municipal de la commune de Port-au-Prince. Messieurs, dames, pays en salle, ville pas propre, ville sans vie, nous devons sans perdre du temps réfléchir à qui on l'autre urbanisation. Parce que toute ville semblait côté mon habité. Cette terre d'Haïti est un patrimoine que nos ancêtres nous ont légué comme héritage. Protégeons-la et soyons de vrais patriotes. Ça que fait dans le temps passé, nous la perle des Antilles. C'est parce que le pays nous est propre. Ville nous est de vie. Et Haïti, c'est un refuge pour touristes étrangers. Majorité de villes New York, c'est villes côtières. Ça veut dire qu'il y a un pile en mer. Mauvaise gestion fait ville. Yo. Je dis à côté toujours sale. Nous de travail pour situation ça a changé. Marché public New York, d'où il y a une réflexion qui fait sur yo. Travail là, pas pitié, mais ensemble, nous arrivons. Le président de la République a toujours dit, si reste c'est pour le peuple là. Nous devons batailler pour si reste à le jeune peuple là, tout bon, et surtout dans la propreté. Enfin, au nom du président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse. Au nom du chef du gouvernement, M. Jude Joseph. Au nom du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, et fils Odin Bernadel, je vous souhaite du succès dans votre travail, sachant que votre devoir et notre devoir est de servir dignement, honnêtement, la population haïtienne. Déjà bon travail. Permettez-moi pour commencer d'adresser à mes remerciements les plus chaleureux à son Excellence, Monsieur le Président Jovenel Moïse, pour la confiance placée en moi afin de conduire à bon port les travaux engagés par la mairie dans l'optique de rendre vivable la ville en matière de propreté et de sécurité. C'est la confiance
le plus témoigné de sa volonté d'associer les valeurs de la République au service de la commune. C'est une très grande responsabilité qui m'est confiée et j'en suis pleinement conscient. Aussi, m'est-il un grand honneur de prendre la parole pour la première fois dans ma fonction de maire devant cette auguste assemblée en attente de tisser leurs liens de proximité, de contact et d'action concrète. Il s'agit pour moi d'une mission de réveil que je n'oserais jamais ignorer l'ampleur des défis qui se dressent déjà sur mon chemin, mais le dynamisme aidant et l'apport d'une équipe appelée au travail décideront de ramener le sourire sur le visage de notre capitale chère à chacun de nous. Port-au-Prince, le paradis doit reprendre sa place dans tous les cœurs comme un lieu où il fera bon de vivre. Oui, devant nous chaque qui là, nous prenons engagement ça pour nous dire avec le proverbe ça, qui doit mettre tout le monde au travail, pressé, pour nous changer ce qui vit nous. En pile main, chahé par l'eau. Mais pour les épaules l'une avec l'autre, dans le respect l'une pour l'autre. Nous avons pour devoir mettre tête ensemble pour nous laver le visage à Rio, dans la capitale là, faut nous débarrasser l'aria. Qui se salon peuple là, de dividal il fadra. Libérer tout toyau de tout obstacle comme ça, mon assistant marcher dans mi-temps l'arrière pendant tout toyau occupé par-ci par-là. Pour ça faire, on a besoin d'engagement employé voirie, on a besoin de support travaux publics qui travaillent avec détermination. On a besoin de SNGRS qui placé pour le bail gros bourrade. N'enlever obstacle ça. Comme ça, dans un gros combat de propriété, et puis maintenant, avec lavage la Rio, combien nous a bien pour faire ça deux fois par semaine. Mais lui, Port-au-Prince, décide de mettre tout le monde en confiance. Depuis dans cinq citoyens, arrivé dans le contribuable. Qui vient pour collaborer pour rendre Port-au-Prince dans nous tous voulons ça. D'abord, à démarrer. Depuis qu'on y a. Population chrétienne nan, par rapport avec par rapport avec ça comme contribution dans la commune nan, qui permet nous réaliser un si bel travail comme ça qui se place Gros Roche Bon Repos. Et nous dit merci encore parce que je dis à vous êtes capable de réaliser place Gros Roche là avec contribuable qui l'encore des croix des bouquets. C'est avec un pile sacrifice tout nous-mêmes bon côté par nous qui l'en cartel mérite croix des bouquets. Nous t'ai accepté pour nous souffrir sans que nous pas de corps frère sans que nous pas de besoin prendre corps mairie pour nous acheter machine pour nous rouler sans que nous pas de prendre corps mairie pour nous prendre location pour nous débailler tête nous peut-être nous était capable pas bénéficier belle place là côté tout le monde bon repos t'a tant à lui-même je dis à Andy place bon repos
sans que nous pas inaugurer ou engouement population bon repos à population chrétienne n'a gagné pour lui. Et nous dit merci je dis à Andy place bon repos qui porte nom place Bourage bon repos il inauguré lui rete disponible pour population chrétienne mené petit yo vinn jouer vinn participer en dans place Bourage bon repos. Merci beaucoup. Qui mettait terrain ça disponible qui les fait don avec mairie quoi des bouquets pour être capable bail pour faire un espace place pour tout le monde venir jouer. Je dis à grand pile monde qui t'a contacté famille ça qui mandé espace là soit pour faire maquette pour faire pompe gasoline. Mais nous-mêmes nous grandit la population bon repos nous connaît ça a besoin parce que tout le monde bon repos qui toujours demandé une place. Avec je dis à nous pas capable dit tête nous pour faire pompe gasoline. Nous allons faire vendre terrain soit pour faire maquette ou bien nous-mêmes nous sommes capables de faire et business là-dedans. Je dis nous choisir pour nous dire faire place publique côté pour tout le monde jouer côté pour grand monde bailler rendez-vous. Je dis nous capable dire bon repos bon lieu de rendez-vous. Ça veut dire qu'on doit dire maintenant nous sous place bon repos place bon wash là. Avec bon repos bon adresse je dis. L'on prend exemple ou du sur route nationale numéro 1 ou gagner pour jouer une place publique depuis le pont rouge pour venir là ou ici je nos place et public et je dis à Abdi la même semaine ça encore côté nous pour inaugurer place Cesles là côté nous te faire un sous commissariat nous te inaugurer sous commissariat place Cesles là nous pour inaugurer la semaine là parce que monde qui te voter nous yo te voter nous pour nous bailler au service yo pas voter nous pour nous venir piller yo yo pas voter nous pour nous te continuer à mettre cob en poche nous c'est pas ça qui est important. Parce que je dis à moun qui vote nous dit merci le fait que vous avez voté nous pour nous donner au service, pour nous donner aux questions de sécurité, pour nous être capable de faire développement dans la commune. Mais c'est malheureux. Ça nous te souhaité faire, nous ne pouvons pas arriver à faire vraiment à 100%. Mais quand même, nous ne pouvons pas dire nous satisfaire à 100%. Nous satisfaire un peu. Et nous dit merci tout avec toute équipe, mairie, comptabilité, technique, génie. Qui te baille contribution yo, je dis à pour nous réaliser si bel travail ça, et nous continuer, en disant 13 jours, fait mandat nous, nous avons inauguré une place publique, ça veut dire un paquet de bagaille pour nous. Mercredi ou bien vendredi, nous allons inaugurer Kafou Cesles là, ça veut dire un paquet de bagaille pour nous. Canaran, 28 juillet, ouais par ouais, rendez-vous, Ronny Collet avec toute l'autre demain à CCO, nous t'allons, devant coup de compte, nous te baille une lettre. Pour nous dire non, nous ne pas violer la constitution, nous devons être serment. Nous disons quoi? Nous devons participer à l'élection, décret électoral de 2 mars 2015. Mandat nous fini, nous ne pas continuer encore. Et nous disons, quel que soit le monde qui t'a souhaité pour continuer à faire ça, ou pas besoin de nous. Parce que ça nous dit, nous respectons. Et nous camper derrière. Nous pas besoin de faire moun faire débat sur ça, son problème qui résout déjà, n'a respecté constitution parce que nous te prêté serment sur lui. Constitution 87 amendée li dit l'article 68 li bay 10 mandat et lire nous-mêmes nous te prêté serment et 28 juillet 2016 mandat nous a fini 28 juillet 2020. Nous ne pouvons pas continuer parce qu'il n'y a pas d'élection. Si l'élection n'est pas faite, c'est nous qui sommes responsables. Élection n'est pas faite. Bon rumeur, nous dit, Cap dit, parce que nous avons jamais arrêté, qui dit, yo, continuez nous pour nous servir des agents intérimaires. Quand elle mérite ça, c'est l'élection, nous sommes allés pour nous donner un mandat. Mandat peuple. Je dis, le mandat nous finit. Nous, pas magistrats, quoi des bouquets. À partir du 28 juillet, nous faisons une déclaration publique, bah, le monde entier, avec la presse, pour nous dire au revoir avec mairie, quoi des bouquets. Zone ça, c'est rue Péchina. Et il n'y a pas de pont, donc pour te passer, il faut que tu ailles faire bon diaète là ou monter passer sur l'autre côté de l'eau.
Mais cependant, les conseils Savina nous un niveau blocus qui gagne et Jean Ville encombré. Donc nous avons pris une décision pour que nous soyons capables de faire pour nous. Mais on connaît mairie en pas de moyens pour te faire et c'est un projet que me suis content qui fait parce que ville a existé depuis 1831, ça fait nous 189 ans et pour ça elle pas de jamais fait. Et mais ça que fait me suis content projet et puis remène c'est parce que son projet qui fait avec partenariat privé, financement privé et il fait. Donc c'est un ensemble de donateurs qui permettent que le fait son pont qui coûtait nous 200 000 $ américains. À partir de financement privé uniquement. Donc, je dis, nous sommes contents. Je profite pour que je remercie la population pétionvilloise qui t'a confié nous un mandat de 4 ans. Et je dis, nous sommes fiers que le mandat a fini le 29 juin. Et nous avons un bilan. Nous avons un bilan et que nous pensons que la population est satisfaite. Mais nous avons un plus gros regret. Nous voulons faire. Nous te promettons machin que à côté, nous avons récupéré le terrain pour être capable de faire marcher pour nous. Donc, il y a un petit regret, nous, c'est que nous n'avons pas de temps, un fini marché, un fini pont, et deux, mettez-moi dans le marché. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier de nous abonner avec la chaîne. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour être capable de jouer nous. Son babé à chercher pour lui. D'accord? Eh bien. Passez une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée. Oup!